J'ai été chercher le nouveau démarreur, je l'ai mis en place. Je vais pas tester, mais normalement il va marcher, donc ça va marcher cette fois-ci. Allez, on met contact. Hop. Alors, on va faire monter l'essence. Donc si je m'en rappelle bien, on fait comme ça pour lancer. Peut-être que je fasse venir avant l'essence. Je vais faire venir avant l'essence. Tac. Faut que je mette un circuit ici. J'ai perdu le tournevis. Là, t'as pris face à l'étanche. J'ai pas le temps de... On met ça dans le bidon d'essence. Le mieux, c'est que ça se durite. Et dans l'essence, tu l'as dit. Là, allez plonger dedans. Là, ça, c'est bon. Tac, tac. Là, il paraît qu'il faut mettre un petit bouchon d'essence dedans, je vais vous montrer, on va essayer. Vraiment très peu. Allez, on dépêche avant que ça s'évapore. On met contact. Normalement tout est relié. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Je ne vais pas toucher. La pompe à essence a un peu l'air d'aspirer. On va pas laisser de venir. Pas beaucoup, monsieur. Pour une question.
l'image, ça c'est sûr. Je vois l'étincelle. Maintenant, c'est la pompe à essence qui, apparemment, ne veut pas aspirer l'essence. Voilà, tu peux y rentrer toi. Bon, ben, par contre, c'est cette essence qui ne veut pas venir. Bon, la pompe à essence n'a pas l'air de marcher. Ça va embêter un peu ça. Je vais défaire là, je vais essayer avec le doigt là. Si je sens une aspiration. Respiration mais très faible. Je sens à peine. Je pense pas que ça doit suffire pour. Il y a une toute petite aspiration. Tant la pompe était en bon état quoi. On va être obligé de la démanteler. Ah bah oui, ça je les ai aussi.
Là, je vais m'amuser à l'enlever. Hein. Je vais tirer ça comme il faut, quand même. Bon là, maintenant le challenge c'est de sortir. Ça pompe. Donc cette fichue pompe qui veut pas aspirer. Il va falloir l'ouvrir, on va voir ce qui lui arrive. Ah mais ça c'est des clés étoiles. Ça va pas marcher ça. Si j'ai un truc là, ça normalement il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Eh ben, il n'y a pas celui-ci que je veux. On en fout dedans. Évidemment, il n'y a pas la boîte des embouts. Je sais pas si... Oh. Si là-dedans, il y en a. Évidemment non. Ah si elle est là. La boîte en bout. Bon, dans ce bordel, si je vais trouver ça. Non. Je veux pas avoir celui que je veux. C'est un trou. Celui-ci. Ah. Je vais te trouver. C'est bon.
il me semblait pas que la membrane était percée. Je l'avais pas vu. Quand je l'ai ouvert déjà, la membrane avait même l'air en très bon état. On va voir, on va ouvrir. Peut-être que c'est pas, ça vient pas de là. Un petit peu de graisse qui, j'avais mis un petit peu de graisse quand même. Ah si, pourtant, hein, a fait le bruit du... On l'entend aspirer pourtant. Bon bah je vais pas l'ouvrir alors, ça sert à rien. Oh, a fait le bruit. Ça s'entend qu'elle aspire. Je vais mettre mon doigt, ouais. Si je le sens. Ouais, je le sens bien là. Elle est un peu raide quand même. Je vais peut-être quand même l'ouvrir, voir s'il n'y a pas un problème dedans. Normalement, elle devrait s'ouvrir. Mais non. Pourquoi? Mais c'est que ça veut pas. Elle veut pas, hein. Ah bah voilà. Oh putain, peut-être pas que je tire de trop. Regardez, la membrane est vraiment. Enfin c'est super propre quoi, c'est même en bon état. Elle était juste remise à mon avis. Et là, elle veut pas. Ça a été bien collé. Je pourrais pas aller voir dessous. Je vais mettre un petit coup de lubrifiant pour lubrifier le ressort dessous. J'espère que ça va pas bouffer la membrane. Je pense pas. Elle est bonne, elle est neuve. Hein. Enfin, elle est neuve. Elle est en super bon état. Peu raide quand même, non du Dieu. Ça marche mieux déjà. Donc bah là ça va quoi. Pas besoin de. Je vais peut-être monter à l'envers, remarque. Bon non, je pense pas. Ça aspire par là. Et ça ressort par là. Donc ça va comme ça. Là c'est le bas, oui maintenant. Bon bah je referme, mais normalement ça devrait y aller. Elle devrait aspirer. Peut-être que. Bah non, il n'y a pas de prise d'air. Bon ça marche ça.
Serre pas trop fort tout de suite. Faut mieux tous les mettre, serrer petit à petit et après repasser un coup pour les serrer à fond. Ça a démarré? Ça marche pas l'autre non plus? Non plus? Si. Si. Bon, lundi, j'ai pas ça. Ouais. Ça, j'ai les mondes, mais ça, on va dire. À 35 ans. Elle est pas vieille, hein? Elle dit, il dit, ouais, bah ça va, tu verras quand t'auras mangé. Vous arrêtez parce que vous êtes tous en train de me dire ça. Alors, et quand je suis arrivé à votre âge, vous me redirez encore. Hop, 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 là, là, voilà, on va la faire serrer, on met le tas du dessus, tac, là. Bon, on va voir. Non, mais en tout cas, elle a fonctionné. Le problème vient d'ailleurs. Message. Donc on va aller voir au niveau de la tige si toutefois ça serait pas elle. Bon, normalement je l'ai remise hein. Ouais, on la voit bien, la tige est là. Je vais vérifier en faisant tourner le volant, le moteur, si elle monte et elle descend. Normalement, oui. Voilà, normalement, ça descend. Ça devrait descendre et monter. La clé de 14. Et voilà. Du 14. Tac. Bon. Ouais, première vue. Elle monte et descend. C'est
violent, violent, mais ça monte et ça descend. Bon, bah ça marche quoi. Donc ça vient pas de là non plus. On va remonter. Donc là, ça va être, je pense, à mon avis, ça va être le plus marrant. Là. Fixer ça avec le joint qui est là, qui est pas en face. Je sais pas si je le mets avant. Allez, comme ça. Allez. Tac. Comment j'avais fait tel? Tac. Ah, c'est mon doigt. Là, en fait, ça a été assez vite. Je suis content. Ah, maintenant, il faut que les trous, ils chopent le papier. Là, c'est vraiment pas idéal. On serre ça bien comme il faut pour éviter qu'il y ait des prises d'air à ce niveau-là. Bon voilà. Elle est remise à sa place. Bon bah là, le tuyau, je vais mettre un petit circlip ici. Ah, j'en ai mis un là, donc là c'est bon. Ça prend plus l'air, ça prend. Là c'est rentré en force donc ça va aussi. Après
viens d'aspirer l'essence à la bouche, je l'ai amorcé. Donc c'est juste avant le filtre. Et j'ai pas trop envie d'en mettre dans le filtre. J'ai envie de prendre une coulée d'essence quoi. Ouais, elle est juste là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rebrancher là. Donc, je vais rebrancher un petit circlip. Et on vous remettra en route pour voir. Normalement, ça devrait marcher. Là, l'essence est arrivée au filtre. Ça devrait marcher.